Salut tout le monde, c'est ML2G, on se retrouve pour la 9ème mission de GoldenEye 007. Et cette mission n'est autre que Bunker. C'est la 2ème fois qu'on va se lancer dans Bunker et en 00 agent, il y a 5 objectifs à remplir. Donc, comparer le staff et Casually List, donc deux listes, il va falloir comparer deux listes. Recover CCTV Tape, donc retrouver une cassette. Disable All Security Camera, détruire toutes les caméras de surveillance. Recover GoldenEye Operation Manual, donc retrouver GoldenEye Operation Manual, voilà tout simplement, c'est un petit bouquin ou des plans, je ne sais plus exactement. Et vous échappez avec Natalia, et Natalia on va voir tout de suite qui c'est. Mais avant, voilà, le Bunker Complex, une mission assez délicate en 00 agent tout simplement parce qu'il faut surtout pas se faire repérer par les caméras sinon on est foutu. Et Natalia c'est cette jeune dame qui est juste là. Alors quand j'étais petit, ici sur les murs et sur le sol, je croyais que c'était de la pisse, tout simplement au vu de la couleur. Hein. Mais finalement, avec le temps et le recul, je me dis que finalement non, c'est pas de la pisse. Hein. Quand j'étais petit, j'étais innocent, je pensais que c'était de la pisse, c'est tout. Mais non, c'est l'endroit où les soldats se font exécuter, parce qu'on peut voir qu'il y a des balles, des impacts de balles. Bon, quoi qu'il en soit, on va commencer cette mission avec la Watch Monitor Track pour récupérer la clé qui se trouve là. On va attendre que monsieur le soldat revienne par ici. Voilà, comme ça je vais ouvrir la porte. Et le con il va rester là, il va attendre que je sorte. Hein. Voilà, il s'est très bien placé. Non. Allez, tape-le. Voilà, c'est bon, il est mort. Alors une chose à savoir, c'est que les soldats quand ils tirent comme des dératés, les autres soldats ne l'entendent pas. Par contre, quand c'est moi qui tire comme un dératé, là, les soldats l'entendent. Et c'est un petit peu embêtant. Et ici, dans ce petit trou, hop, des couteaux. Et les couteaux, on va s'en servir pour tuer des soldats. Mais avant, on va essayer de péter cette vitre. Voilà, si on tire une balle par une balle, normalement, ça passe. Les soldats ne nous entendent pas. Et cette mission, va falloir faire très attention et être très calme pour la faire. Alors déjà j'attends le soldat. Attends, on va voir s'il est là. Ah que coucou. Je crois que c'est quand même mieux de tirer avec ça. Allez viens là. Tu m'auras pas. Ouvre la porte. Cool. Assez de balles pour le tuer. Alors généralement les personnes qui ont des knobs, qui ont un double knob, hop, purée, me tue pas. Mais vise-le, imbécile! Alors, c'est très bien les couteaux, sauf que tu vises vraiment comme un manche. Hein. Je disais, les personnes qui ont des doubles knobs, normalement, possèdent une clé. Je l'ai pas eu, d'ailleurs, la clé. Et il va y avoir d'autres soldats qui vont venir par ici, c'est chiant. Cette mission est vraiment casse-burne. Attends, on va essayer de passer par là, déjà. Pour tuer tous les soldats qui peuvent venir par ici. Déjà là-bas il y en a un. Oh, il y en a un autre. Tu m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Il va venir par là. Allez viens. Viens là mon pote. Mais c'est pas possible de tirer dans les chapeaux là. Allez, tu vas mourir. Parce que là tu empêches la porte de se fermer. Ah c'est bon, il est mort. Ah il est rentré dans la salle qu'il y a là. Ok. Super, ça va attirer les autres soldats normalement. Voilà. Oh oui, vous savez bien viser, merci. T'es mort. Et t'es mort. Ok, super. Pas d'autres soldats. Ah, une clé. Ça c'est cool. Banzai! Bon, avec le boucan que je viens de faire, il y a d'autres soldats qui vont venir. Normalement. Normalement. Ça a pas l'air. Ah bah si, tiens. Vas-y, ouvre la porte. Et ben voilà, tu es mort. Ok, on va retourner par là-bas. Ici, il y a deux chapeaux qui traînent. Ouais, on va passer par là. Allez, on y va calmement. Ouh, là-bas, il y a un soldat qui m'a vu. Est-ce que je peux le tuer de là? Ouais, je peux. Bon, j'ai fait un peu de bruit. Pas de soldats par là. Donc on va passer par ici. Mais alors attention, ici c'est très délicat parce que là-haut,
il y a des putains de mitrailleuses qui font super mal, surtout en 00 agent. Et il doit y en avoir normalement deux autres, des mitrailleuses. Ouais, il y en a une là. Allez, tu te positionnes bien. Allez, un petit coup à gauche, voilà, très bien. Faut tirer une balle par une balle, c'est beaucoup plus efficace. Et normalement, il y en a une autre juste là. Voilà. Ok, super. Il n'y a plus de mitrailleuse, donc on est à moitié safe. Sauf que, il y a des soldats là dans le coin. Wow! Foiré, tu m'as fait peur. Voilà, j'ai fait un bordel pas possible, donc du coup, il va y avoir des soldats qui vont rappliquer. Voilà. Du moment que l'alarme ne sonne pas, tout va bien. Surtout ça que j'ai pas envie. Viens là toi. Vise bien aussi James Bond, ce serait bien. Ok, on se casse. Parce que là ça va sentir le roussi. Ferme la porte, est-ce que j'ai la clé? Non, toujours pas. Bon. Alors les soldats, est-ce qu'ils viennent? Oh mais bonjour. Je ne t'aime pas, meurs. Ok. Toi tu chasses une mouche. Sauf que tu devrais regarder derrière toi. Oh, la balle dans le menton, ça fait mal. Alors, j'adore les animations des soldats quand même. Ok, toi tu meurs. Maintenant que les mitrailleuses, j'avais dit ici, sont détruites. Normalement, il y a deux soldats là. Voilà. Qui n'ont pas entendu les coups de feu apparemment. Ils étaient avec leur Walkman. Peut-être. Alors, par ici. On arrive dans le grand couloir. Et il doit y avoir du monde là. Ah, il y a du monde là-bas. Et il y a une caméra aussi. Allez, voilà, ok. Une caméra détruite, ça c'est bien. Oh fuck. Pire que des creepers, ça, on les entend pas. Mais qu'est-ce que tu parles de creepers, Mel2G? Nous sommes dans GoldenEye. Ne mélange pas tout. Je mélange un peu tout, c'est vrai. Bon, bref, on va passer par là. Ah que coucou, t'es mort. Ah que coucou, tu tires à travers une porte. À côté, un peu con. Hop, bon déjà on a récupéré le document A. C'est une liste. Il y a du monde. Ok, ça j'ai entendu les portes. Hein. Ah si tu te mets devant lui aussi. On est très mal barré au niveau de notre jauge de vie. Ça pue, hein. Mais comme je vous l'ai dit, du moment que les caméras ne nous voient pas, ça va. Parce que là, on détruit les soldats qui sont à la base, dans la base. Je sais pas si ça se dit, mais... Oh, j'entends une porte. Faut toujours flipper cette porte. Oh oui, il y a un soldat, là. Oh. Oh, ferme la porte. J'ai tiré le chapeau, c'est pas bon. Normalement les soldats ne... Il n'y en a pas à l'infini. Hein. Soldats ça se calme au bout d'un moment. Sauf bien sûr si on se fait repérer par une caméra. Et là c'est mort. Je vous le dis direct, si on se fait repérer par une caméra c'est foutu. Toujours pas la clé, c'est cool. En tout cas, ah, on va peut-être pas passer par là parce qu'il y a une caméra qui peut nous voir. On va passer par un autre endroit pour détruire justement cette caméra. Bonjour. Au revoir. Par ici c'est bon. Par ici on peut pas passer. Ah tiens, là il y a une arme. On récupère les balles, toujours important de les récupérer. Alors attention, kamikaze. 8. On m'a pas vu. Ça veut dire qu'il y a personne. Ah bien, c'est ce que je voulais voir. Alors par ici il y a toujours une caméra, il me semble, en hauteur. Ok, c'est bon. Caméra, on en parle plus. La porte s'est fermée, ouais. Alors je sais plus si la caméra elle est au-dessus ou si elle est... Enfin si elle est au-dessus de ma tête ou si elle est juste en face. Donc au cas où on va viser au-dessus. Non, elle est juste au-dessus de ma tête. Il y en a une là. Ok, bon. Il reste plus grand-chose en caméra. Je sais que là il doit y avoir un soldat normalement. Ouais. Boum, une balle dans la tête. Et ici, hop, on a récupéré la CCTV. Tape, et nous allons voir tout de suite qu'est-ce que c'est. Voilà, la CCTV tape, c'est en fin de compte la cassette du film. Super. Alors,
regarde un peu tout ce qu'on a. Voilà, ça c'est le staff list. Il nous manque plus qu'une seule liste à avoir pour qu'on puisse les différencier et avoir une mission complète. Alors, il me semble que par là-bas, on peut passer ou pas. Oh, c'est ici qu'il y a une caméra. Ah, il y a un soldat aussi. Alors, ça pue. Oh, il y a deux soldats. Même. Ça suffit, les conneries. J'ai pas envie qu'il y ait des soldats qui m'arrivent par derrière. Allez, viens. Ferme la porte. Ferme la porte. Vas-y, viens, toi. Je t'ai vu, je t'ai vu. Tu viens pas? Qu'est-ce qu'il fait, alors? Ah, si, il arrive. Il regardait son camarade mourir, je crois. Je crois. Bon, ça c'est fait. Ok, plus personne. Maintenant, faut qu'on détruise la caméra qui se trouve juste là. Et là, ça va être tendu parce que la caméra est très bien placée. Ok, c'est cool. Elle nous a pas vu. On peut souffler. Ok, j'ai une autre clé. Vite fait, on va aller regarder si c'est la clé qu'il faut pour ouvrir. Oh! C'est quoi le délire? Ah, c'est lui. Ok, toi t'es mort. Bon, j'irai récupérer ton arme après. Par ici, plus personne. Je vais voir si c'est la clé pour ouvrir ça. Non, toujours pas. Bon, il nous manque toujours une clé. Hein. Est-ce que du coup j'ai les clés pour ouvrir ça? Ah oui, ça c'est bon ça. Alors c'est par ici qu'on va retrouver la dernière liste. Là-bas, on a un petit soldat. Dis au revoir. Non, ferme la porte. Meurs, le soldat, disparaît. Ah, je l'ai tué à travers la fenêtre, c'est très bien. Alors, ici y a personne. Voilà. La tablette rouge là-bas, c'est un objectif. Hein. Personne. Y a quelqu'un. Attention, attention. Voilà. Super. Bon, on va récupérer justement ceci. Ok. Objectif A complet. Donc c'était différencier les deux listes. Donc ça c'est une bonne chose de fait. On va pouvoir sortir de là. On va avancer un petit peu plus loin. On va prendre des passages qu'on n'a pas encore pris. Par là on est passé. Vers en bas, on n'y est pas encore passé, mais à gauche. Par ici, on n'est pas allé. Et par là-bas, il y a une caméra. Voilà. Et il n'y a qu'un seul soldat, normalement, il me semble. Boum. On va vérifier. Ouais, il n'y a qu'un seul soldat, donc c'est très bien. Ok, j'ai récupéré une clé. On va aller voir si cette clé, c'est la fameuse clé qu'il me faut. Je sais que là, je fais pas mal d'aller-retour, mais bon, quand même. C'est un objectif que j'ai tendance à oublier quand je joue en solo, en tout cas. Enfin, là, je joue en solo, mais quand je joue sans tourner. Ah, voilà. Cool. Oh, puis j'ai deux PP7. Yeah. Et là, maintenant, là, ça tue, quoi. Là, ça tue. Donc, on a reçu le dossier manuel de GoldenEye. C'est une bonne chose. On va vite fait checker nos objectifs. Voilà. Alors, il nous reste plus qu'à détruire toutes les caméras de surveillance et se barrer avec Natalia. Donc là, pour le coup, la dernière caméra se trouve dans la grande salle. Et je crois que mes PP7 silencieux ne serviront à rien pour le coup, là. Ouais, je vois que dalle. Donc du coup, c'est pas grave, on va utiliser ça. Ça fait un petit zoom. Concentration, parce que là, il va y avoir des soldats qui vont se pointer après. Ok. J'en ai tué deux. Oh, y a quelqu'un là-bas. Vas-y, viens. Ok, vu que je lui ai tiré dessus, il y a forcément quelqu'un d'autre qui va venir, voilà. On se concentre parce que là, il n'y a plus que cet endroit-là à faire et c'est bon. Ok.
Alors, par ici, on a des soldats aussi. Tu meurs. Ah, t'es pas mort. Mais félicitations, alors. Oh, toi, je t'aime pas. Toi, je ne t'aime pas. Il y en a un autre qui arrive. Il y en a un autre qui arrive. Il est où? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? J'en ai vu un bouger pourtant. Où est-ce qu'il s'est barré l'autre? Ah bah non, il est pas barré nulle part. Bon, alors là-bas, on a une caméra, la dernière. Je sais pas si ces deux-là peuvent me repérer. J'espère pas parce que sinon c'est la merde. Voilà! C'est cool! Ok, maintenant on n'a plus qu'à se barrer avec Natalia. Mais avant, je vais checker s'il y a personne là-haut. Normalement, de là, ils peuvent me tirer dessus. C'est bon, il n'y a personne. Bon, bah du coup, on n'a plus qu'à aller délivrer Natalia. Et on a terminé l'objectif. On a terminé la mission. Et c'est une bonne chose parce que, purée, cette mission, elle est longue. Comme vous pouvez le voir au niveau du time. Hein. Mais c'est surtout que c'est beaucoup, beaucoup d'infiltration. Il faut vraiment faire très attention à ce qu'on fait. Ok, Natalia, tu peux venir. Allez, come on. Tu vas passer par là, ma biche. J'espère que tu vas arriver à me suivre. Bon, je vais quand même attendre un peu parce que... Ok, c'est bon, tu arrives. Pas de soldats, c'est bon. Tu viens ou pas? Voilà, bon, bravo. Ok, c'est bon, tu peux ouvrir les portes. T'es pas si cruche que ça. Ici, il n'y a plus personne, donc tu peux faire... Elle va faire une connerie sur l'ordinateur. Je vais la laisser faire et puis après, on va se barrer. Bon, tu viens ou pas? Ah, bah quand même. Je vais ouvrir les portes. Oui, I'm going to check the control console. Vas-y, si tu veux. Fais-toi plaisir. Hein. Donc, elle a allumé tout ça. Oh là là, on n'a plus qu'une minute pour partir. Ah, Oumov a activé le GoldenEye satellite. Bon, bah c'est bon. I'm going to fire on... Ok, elle va foutre le feu ici. C'est bon, on peut se barrer. Let's go, ma biche. On y va. Je t'ouvre la porte. Allez, sort en premier. Les femmes d'abord. Ok. Et là, on se barre. On s'enfuit. Fin de mission. Eh, bah dis donc. Que d'émotion. C'était long et dur. Comme la mission. Voilà, alors on a mis 16 minutes 14 secondes pour faire la mission. C'est une vidéo qui sera plus longue que les autres, bien évidemment. On a tiré 249 fois pour 55 kills. Donc il y avait 55 soldats dans l'enceinte du bunker. 28 coups à la tête quand même. Hein. 69 coups dans le corps. 46 coups ailleurs que le corps. Et 10 coups... Enfin, c'est 69 coups sur le torse. Un body, le corps, 46 coups sur le reste du corps, donc, et 10 coups ailleurs, donc les armes et les chapeaux. Voilà, et la prochaine mission, pardon, sera. Où est-ce que c'est marqué? J'ai du mal. Statue Park, ça s'appelle? C'est marrant, je la voyais pas s'appeler comme ça. Bon, bah, c'est Statue Park, la prochaine mission. Et cette mission-là aussi, elle est un peu chiante en 00 mission, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et il y a beaucoup de soldats. Bref, je vais poser la manette sans faire déconner les fils. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de GoldenEye 007, justement pour faire Statue Park. Donc sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bye!